Classe de seconde, vecteur partie 3. Additionner des vecteurs avec puis sans quadrillage. Un vecteur plus un vecteur égale un troisième vecteur. Donc on va apprendre dans cette leçon à faire la somme de deux vecteurs. Ici on voudrait faire la somme U plus V. Intuitivement, un vecteur, ça correspond à un déplacement, à une translation. Donc ce vecteur-là, il correspond à un déplacement dans ce sens-là, dans cette direction et de cette longueur-là. Et ce vecteur-ci, il va correspondre à un déplacement dans cette direction-là, dans ce sens-là et de cette longueur-là. Donc la somme de nos deux vecteurs, U et V, ça va correspondre à la somme de ces deux déplacements, peu importe d'où on parte dans le plan. Allez, mettons que je vais partir d'ici, top départ. Pouf. Mais je pourrais très bien choisir n'importe quel point. Alors, je veux faire U plus V en partant de départ pour arriver à arriver. Avec l'enquadrillage, vous comptez le nombre de carreaux. 1, 2, 3, 4, 5. On verra tout à l'heure comment faire sans carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc à partir de D, je compte 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais mon déplacement U. Et une fois mon déplacement U fait, eh bien je vais y ajouter, donc une fois qu'on a fait le déplacement U, on est là, hein, en partant de D. On va y ajouter le déplacement V. Il fait combien le déplacement V? Il fait 1, 2, 3, 4, 5 horizontalement sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 verticalement. Alors je repars d'ici, 1, 2, 3, 4, 5 horizontalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 verticalement. Voilà V. Et quand on a fait le déplacement U plus V, eh bien c'est qu'on est parti de ce point D pour arriver à ce point A. Voici le vecteur U plus V. Dans un repère avec les coordonnées, et bien ici qu'est-ce qu'on lit comme coordonnées pour U? Moins 3, 4. Qu'est-ce qu'on lit comme coordonnées pour V? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 2. Mettons que vous construisiez le vecteur U plus V, donc ce que je vais faire c'est partir de là, déjà faire le déplacement U et ajouter 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Ici, à notre vecteur V. Le vecteur U plus V, c'est donc celui-là. Je vais l'appeler W pour l'exercice. Quelles sont les coordonnées de notre vecteur W? Eh bien, notre vecteur W, il fait 2 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 6. J'avance de 2 à droite, je monte de 6 en haut. Si on devait les trouver par le calcul à partir des coordonnées de U et de V, eh bien ça serait tout simple, il suffirait d'additionner les abscisses et d'additionner les ordonnées. En règle générale, si U a pour coordonnées X, Y, et si V a pour coordonnées X', Y', vous obtenez les coordonnées du vecteur U plus V en additionnant X plus X', Y plus Y'. Maintenant, je vous invite à vous entraîner avec moi parce que quelqu'un m'a donné un jour une excellente fiche qui permet de vraiment bien s'approprier les sommes de vecteurs. Rendez-vous sur le site www.letableaunoir.net à la page des secondes. Descendons au chapitre 6. Et là, vous voyez à droite, fiche pour s'entraîner à tracer la somme de deux vecteurs avec et sans quadrillage, énoncé PDF de page. Voilà, dans la suite de la vidéo, en fait, je vais faire cette fiche.
Donc, soit vous pouvez l'imprimer pour vous entraîner à la faire. Bon, si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez aussi recopier les énoncés sur papier et vous entraîner à tracer ces sommes de vecteurs avec moi. Et quand les élèves ont fini de faire cette fiche-là, normalement, ils ne se trompent plus pour additionner deux vecteurs. Dans l'exercice 1 et dans l'exercice 2, la consigne est la même pour toutes les figures. On nous demande de construire le vecteur somme du vecteur U plus V qui a pour origine le point A. Ici, on est dans la configuration la plus facile puisque c'est celle qu'il nous faut avoir. On part du point A, on y met le vecteur U et à l'extrémité du vecteur U, on met l'origine du vecteur V. Et on arrive à l'extrémité du vecteur V, ce qui va nous donner un vecteur somme que je vais appeler W, qui va partir de A, l'origine du premier vecteur, et arriver au bout de V, l'origine du deuxième vecteur. On a W égale U plus V. Ce qu'il peut être intéressant de remarquer ici, c'est qu'on avait une autre possibilité qui va nous donner le même résultat. C'est si on part de A, mais qu'on construit d'abord V, et qu'on ajoute U au bout de V. Donc je fais partir le vecteur V de A. Le vecteur V, il fait, j'avance de 3, je descends de 3. Sur un quadrillage, c'est facile. On verra dans l'exercice 2 comment faire sans quadrillage. Et après, on y ajoute le vecteur U qu'on fait bien partir de l'extrémité de V. Donc le vecteur U, lui, il fait, j'avance de 3, je monte de 4. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que U plus V ou V plus U, ça nous donne le même vecteur somme W. Quand on peut échanger comme ça les vecteurs avec une opération, on dit, enfin les vecteurs ou les nombres qu'on additionne, on dit que l'opération est commutative. On peut commuter U et V. L'addition vectorielle est commutative, tout comme l'addition des nombres. Donc U plus V ou V plus U. C'est la même chose. Figure 2 de l'exercice 1. Donc là, on veut toujours construire la somme U plus V, mais la faire partir de A. On a plusieurs possibilités. Je peux très bien, moi je trouve ici que c'est pratique, construire, comme U et V, ils sont bien mis bout à bout, on a bien l'origine de V qui est à l'extrémité de U. Je peux très bien construire U plus V ainsi. Je vais l'appeler U plus V, ça sera encore plus simple. Et après, pour le faire partir de A, eh bien, je le reporte en A. J'avance de 6 carreaux, je monte de 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Voici le vecteur U plus V qui a pour origine A. Troisième figure de l'exercice 1, et bien là aussi on a U et V qui sont tout à fait bien placés puisqu'on a V qui démarre à l'extrémité de U. Donc on peut construire le vecteur U plus V en partant de l'origine de U et en arrivant à l'extrémité de V. Et si on veut le faire partir de A, il suffit de le reporter en A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Figure 4. Alors ici, attention, U et V ne sont pas mis bout à bout, il va falloir que nous les remettions bout à bout. Nous avons le choix, on peut déjà faire partir V de A et ensuite ajouter U. Bon, là je vais prendre U et je vais ajouter V, mais ça revient exactement au même. Donc U, il fait 7 carreaux horizontalement. V, il fait 3 carreaux verticalement. Voici notre vecteur U plus V qui a pour origine A.
Figure 5, même principe, on va construire U plus V en partant de A. Alors, 6 à gauche. Pour V, j'avance de 2, je descends de 2. Et pour le vecteur U plus V, je pars de l'origine du premier et j'arrive à l'extrémité du second. Figure 6. Bon, on peut encore procéder pareil. On peut faire partir U de A. Ensuite, on fait partir V de l'extrémité de U. Alors, V, il fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur moins 3. 6. Voici le vecteur U plus V qui a pour origine A. Figure 7. Eh bien, on peut commencer à faire la même chose. U, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et il monte de 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je pars de A, je monte de 3, j'arrive ici. V, lui, il descend de 2, il recule de 4. Donc en partant d'ici, je descends de 2, je recule de 4. Je vais me retrouver là. Le vecteur U plus V, c'est celui qui part de l'origine du premier et qui arrive à l'extrémité du second. Notre vecteur U plus V d'origine A, c'est celui-là. Alors, peut-on toujours procéder de même? Eh bien oui, on peut faire partir U de A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 à gauche. 1, 2, 3, 4, 5 en haut. 3, 4, 5. Voici le vecteur U d'origine A pour V. C'est 1, 2, 3, 4, 5 sur 2. Alors je repars d'ici. 1, 2, 3, 4, 5 sur 2. Et voici le vecteur U plus V. Qui part de l'origine du premier et qui arrive à l'extrémité du second. Figure 9. Pour construire le vecteur U plus V, on ne peut pas partir de A et faire partir U, parce qu'on va sortir du quadrillage. On a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. On sait que U plus V, c'est égal à V plus U, donc je peux commencer par faire partir V de A. Donc V, il fait 1, 2, 3, 4, 5 sur 2. 3, 4, 5 sur 2. Ben, si, pourtant. Voilà. Et je peux lui ajouter U. Ensuite, en faisant bien partir U de l'extrémité de A. Donc U qui fait 6 sur 5. Ou alors je remarque simplement qu'il est un carreau en dessous, il suffit que je le translate un carreau au-dessus. Ben ça alors, pourquoi j'ai pas trouvé ça tout à l'heure? Donc mon vecteur U plus V, ça c'est U. Normalement il fait moins un carreau sur 3. Il est ici.
Mais comme c'était un petit peu brouillon, puisqu'il y a tous les uns sur les autres, je voulais trouver une solution un petit peu plus propre pour présenter ça. Donc j'ai voulu simplement déplacer le vecteur U et le mettre ici pour qu'il se termine à l'origine de V. Donc c'était 5 sur 6. Hein. Ah ben voilà. Si, si, c'est bon. Tac. Donc le vecteur U, je peux très bien le mettre avant V. Et remarquez que le vecteur U plus V, ça va être celui qui part de l'origine de U qui va arriver à l'extrémité de V. Et je vais le reporter en A. Et j'obtiens bien le même vecteur que tout à l'heure. Pour l'exercice 2, nous avons exactement la même consigne, mais cette fois sans quadrillage. Alors, comment faire sans compter les carreaux? Bon, dans le cas qui est ici, c'est pas bien compliqué. Puisqu'on a U qui part de A, V qui part de l'extrémité de U, pas de problème, pas besoin du compas. Le vecteur U plus V, c'est celui-ci. Voilà, j'attendais le soleil pour vous montrer l'exercice 2 parce qu'il va falloir manipuler le compas. Et ce qui est très difficile avec les classes d'élèves, c'est d'avoir autant de compas que d'élèves dans une classe, même quand vous leur avez dit de l'apporter au cours suivant. C'est toujours des soucis le matériel avec les élèves. Ils ne l'apportent pas, ils n'ont pas leur livre, ils n'ont pas leur compas, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas là. Alors comment travailler efficacement, hein? Bon, et oui, pour pouvoir construire des sommes de vecteurs sans quadrillage, on a besoin de la règle et du compas. Alors, la somme de U plus V, si elle ne partait pas de A, aucun problème. On la construirait comme ça. Maintenant, souci, on veut faire partir ce vecteur de A, on ne peut pas compter les carreaux. Ben, crotte alors hein. Le principe, c'est simplement de se souvenir de ses cours de collège et de construire un parallélogramme. Je disais, le principe, c'est de construire un parallélogramme pour avoir le même vecteur ici et là. Donc un parallélogramme qui va avoir à peu près cette allure-là. Donc il faut donc qu'au compas, je prenne cette distance et que je la reporte ici. Et que je prenne cette distance et je la reporte là. Et ainsi, je pourrais construire ici mon vecteur U plus V. Cette distance-là, je la reporte en face. Cette distance-ci, je la reporte là. Ainsi, j'obtiens le vecteur U plus V ayant pour origine A. Pour la troisième figure de l'exercice de même principe, je veux reporter mon vecteur U plus V que je peux construire ici en A. Donc je cherche à construire un parallélogramme. Par exemple, je peux l'appeler ABC2 si j'ai envie. Puisque on sait que ce qui caractérise un parallélogramme, c'est ici que vecteur BC va être égal à vecteur AD. Je prends donc ma longueur BC. Je la reporte en A. Et ma longueur BA, je la reporte en C. J'obtiens le point D. Et le vecteur U plus V,
a pour origine A. Bon, ici ça se corse, comment on va faire? Est-ce qu'on commence par construire U plus V ou est-ce qu'on commence par déplacer U en A, ensuite déplacer V au bout? On a du choix, on pourrait déjà bon, mettre V ici, puis construire U plus V, puis le reporter en A, c'est peut-être le plus pratique. Ou alors on essaie de faire partir U de A, puis V. J'hésite. J'ai l'impression qu'on y verra plus clair sur la figure si je fais U plus V et qu'après je le reporte en A. Alors là, on a deux étapes parce qu'il faut d'abord qu'on arrive à mettre le vecteur V ici. Et qu'on ait un parallélogramme là. Donc il faut que je reporte cette distance ici et cette distance là-bas. Pour le moment, je n'obtiens que le vecteur V. Mon U plus V, il est là-haut. Et maintenant, je veux le reporter en A. Donc, le but, c'est de me fabriquer un parallélogramme, cette fois comme ça. Je vais l'appeler ABCD. Et ainsi, ici, j'aurai le vecteur U plus B. Donc, je vais prendre la longueur AD, la reporter ici, et la longueur AB, et la longueur U plus DC, et la reporter là. Voici le vecteur U plus V qui a pour origine A. Figure 5, attention, c'est un piège. On ne part pas de là pour aller là. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut faire partir V de l'extrémité de U pour pouvoir faire la somme U plus V. Bon, ici on essayait de placer U en A et ensuite de placer V au bout de U. On va peut-être faire comme ça, histoire de changer un peu de technique. Donc premièrement, on va construire un parallélogramme comme celui-là, où ici on aura le vecteur U. Je vais l'appeler A, B, C, D, par exemple. Donc, je vais reporter la longueur du vecteur U en partant de A. Et ensuite, la longueur AD en partant de C. Dans un premier temps, donc, j'obtiens le vecteur U d'origine A. Ensuite, je veux le vecteur V au bout de U. Comment je vais construire ce parallélogramme? Donc je vais placer V ici, donc je veux un parallélogramme qui ressemble à ça. Je vais l'appeler, EFGH. Je vais donc reporter la longueur de V en partant d'ici et la longueur EF en partant de G. J'avais dit la longueur EF. En partant de G. Voici le vecteur V. Et voici le vecteur U plus V qui part de là.
Figure 6, là encore attention au piège, pas question de relier ici et là, puisque ici on n'a pas l'origine de V, mais son extrémité. Donc ce que je peux vous proposer pour cette figure-là, c'est de reporter V ici, ça ne va pas être bien compliqué. On reporte la mesure de V à partir de l'extrémité de U. Mais comme je vous dis, il y a plusieurs moyens de s'y prendre. C'est pas parce que vous n'avez pas utilisé cette méthode-là que vous avez faux. Au contraire, il y a plein de moyens de construire la somme de deux vecteurs. Et on n'oublie pas que c'est commutatif, qu'on peut faire V plus U au lieu de U plus V. Voici V. Mon vecteur U plus V, c'est donc celui qui part de l'extrémité de U et qui va de l'origine de U et qui va à l'extrémité de V. Il nous reste à le faire partir de A. Eh bien, on va construire le parallélogramme. A, B, C, D. On va reporter la longueur de U plus V ici. Et ensuite, on va reporter la longueur AB là. Enfin, là. Alors, la longueur de U plus V... et la longueur AB. Voici le vecteur U plus V qui a pour origine A. Exercice 3, cette fois, il faut construire le vecteur d'origine A qui est égal à 3U plus 2V. C'est un petit peu différent, je pense que j'avais ajouté moi-même cet exercice à la fiche parce qu'il restait de la place. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire déjà? On voudrait reporter U ici. Et on voudrait le mettre 3 fois. Et là, on va obtenir le vecteur 3U. Et après, on voudra reporter V à partir d'ici et on va vouloir ajouter 2V. J'espère que ça va tenir. Et ici, on aura notre vecteur 3U plus 2V. Donc, je vais commencer par construire un parallélogramme comme ça. Je reporte la longueur de U 3 fois, partant de A. Et voici 3U. Maintenant, je vais ajouter 2V. Je veux donc avoir un vecteur V ici. Donc là, le parallélogramme, il va être un petit peu plus délicat à construire. Ouais, c'est un peu dur. Si je mettais 2V directement, au lieu de mettre V puis V, on va voir. Alors, pour construire 2V, je prolonge V, je double la longueur. J'ai donc mon vecteur 2V ici. Et je veux le faire partir d'ici. Donc je vais construire le parallélogramme. Bon, je vais l'appeler ABCD, j'espère que ça ne vous dérange pas que je sur la même figure. Je réemploie les mêmes noms pour les points. ABCD. Donc je vais reporter AD en partant de B pour obtenir BC. Et après je vais repartir, je vais reprendre AB en partant de D pour obtenir DC et pour pouvoir avoir le point C. Donc je disais que là c'est le point B. Je reporte AB à partir de D qui est ici et après je reporte AD
corde B qui est là. Je tiens le point d'intersection ici. Donc je vais avoir mes deux V. Et là, j'aurai mon vecteur 3U plus 2B qui sera avec une origine de A. Vous aurez peut-être trouvé d'autres manières plus astucieuses de le construire. Maintenant, passons au dernier exercice. Et voyons si c'est constructif ou pas. Donc là aussi, on veut 3U plus 2V en partant de A. Si je commençais par 2V, ça me ferait descendre par ici. Puis après, j'ajouterais 3U. Ouais, c'est peut-être plus sympa. Quoique... Alors, 2V. Ça nous amène là. Il faut qu'on fasse quoi comme parallélogramme? Il faut qu'on fasse un parallélogramme. On va le faire partir d'ici. On veut faire un parallélogramme à BCD. Donc, je vais reporter BC en partant de A et AB en partant de C. Oui, et AB en partant de C. Du coup, là, j'ai 2V. Il me reste à lui ajouter 3U. Alors pour ça, je vais construire... parallélogramme là, on va l'appeler E, F, G, H. Je vais donc reporter H, G en partant de E et reporter H, E en partant de G. Voici 3U. Et alors 3U plus 2V ou 2V plus 3U. Voilà. Bon bah alors avec tout cet entraînement, si vous arrivez à faire tout ça, vous devriez être très au point sur les sommes de vecteurs.